Ce matin à 8h30, sur le site de l'entreprise Aperam, sur la commune d'Infy, l'une des victimes, âgée de 41 ans, faisait partie de l'entreprise Aperam. L'autre était un prestataire externe, enfin une entreprise prestataire qui était chargée d'aider à la maintenance de ce matériel. On ne dénombre pas de blessés, mais les collègues de travail sont évidemment très choqués. Seule l'enquête judiciaire qui est confiée à la gendarmerie nationale sous l'autorité du procureur de la République pourra déterminer non seulement les circonstances de l'accident, mais aussi les causes du décès. L'usine fonctionne à minima, mais la chaîne de production où s'est produit l'accident n'est pas en fonctionnement, et elle a même fait l'objet de scellés dans le cadre de l'enquête judiciaire.